Et on les soutient. Fort, on les soutient. Voilà. Comme on l'a toujours fait sur Ikigia Live depuis pas mal d'années, en essayant d'en montrer quand c'est possible. Et il faut que ça se développe, mais ça va venir. Et puis, on leur souhaite de belles performances, et ce qui permettra de médiatiser encore leur sport. Allez, la dernière victoire française à Calgary, elle remonte à 2006, Eugénie Longo avec Sigan d'Italie. Ça va être compliqué hein, aujourd'hui pour Kevin Stott et Bosti, parce que c'est vraiment un concours de circonstances assez dingue pour espérer l'emporter, mais qui sait. C'est le concours, exactement. On a vu d'autres. Faut y croire. Ouais. Le 8e mondial, Kevin Stott avec Forger Van Zorbit, 4 points en première manche. Ensuite, on aura Bosti, on aura ensuite les 4 cavaliers, sans faute de la première manche. Allez, Kevin, faut déjà commencer par assurer un sens. Oula, bon, ça c'est la touche qui réactive à tout le monde. Le cheval qui joue un peu, peut-être un petit saut de concentration sur le 1. Voilà, mais là, ça met le rythme. Le cheval est parti. Ouais. Ouais, on sait que Kevin est un cavalier très rapide, avec une équitation dans le mouvement. Là, on voit le regard qui anticipe tout de suite sur sa palanque. Alors attention, ça c'est pour lui, c'est une difficulté. Voilà, non, parfait. Bien éloigné dans le mouvement, c'était superbe. Là, c'est vraiment bien. Il a passé un cap, Forjoy. Là, il est vraiment prêt, ça, tout va bien. Oh, il était. Dites pas que tout va bien. Quel est porté la pose. Allez, dernier. Ouais, super. Il est dans le temps. Magnifique, voyez, ça c'est fait, 4 points pour Kevin, qui sera donc au pire 6e, en admettant que les 5 cavaliers encore à passer restent devant lui. Un peu pris dans les épaules sur cette entrée, ça peut être là. Allez, la particularité technique de Forjoy, il faut laisser le temps de monter ses épaules, mais quel parcours fluide, très rapide, tonique, le cheval était super. La touche du numéro 1, bon, vraiment, c'est peut-être un défaut de concentration, mais derrière, tout de suite la réaction, le cheval était super. Bien joué, Kevin. Et il prend une belle option, ouais. Peut-être. Il n'y en a que 4 de son faute, hein. On peut imaginer, on ne sait pas. On ne soulignera jamais assez la performance.